obligé, tu veux bien le dire, parce que simplement il faudra repasser par les conseils municipaux, qu'il faudra obtenir des majorités et que ce n'est pas complètement fini ni figé. Si certains, vous avez, on a le tableau quand même, certains nombre de conseils municipaux se prononcent contre, il faudra revoir le schéma. Et on repart. Donc, si vous voulez, ça, premier point. Deuxième point, si vous avez lu le rapport de la Cour des comptes dans la presse, notamment Télégramme, il est du 22 mars, hein, pas mieux, qui dit mutualisation, fusion, augmentation des dépenses, largement, alors qu'on faisait ça au nom des économies, aujourd'hui, ça augmente à peu près de 30%. Voilà, disons, le résultat de ces fusions, disons, administratives, qui sont issues de quelques énarques qui réfléchissent dans leur coin et qui ne sont pas sur le terrain, c'est quand même une dépense supplémentaire. Et on fera les comptes, vous savez, hein, on va voir ce qui se passe à la fin du mandat, on fera les comptes, c'est quand disons, la foire est finie qu'on compte les bouses. Et là, on va les compter. Parce que je peux vous dire que non seulement le mandat, il va être bien amoché, mais en plus, pas sûr que ça soit économique pour tout le monde. Voilà, simplement. Et puis, je souhaite quand même qu'on continue à se dire que si on va aller dans les conseils, il faut aussi qu'on consulte peut-être notre population. Et je souhaiterais qu'au niveau de notre communauté de communes, ça puisse se faire. Voilà. Merci. Je crois pas que dans mes propos, j'ai dit à un moment ou à un autre que c'était complètement fait, puisque j'ai dit nous devrions. J'ai employé le conditionnel. Bien évidemment. Pour quelqu'un qui a vécu la CDCI il n'y a pas si longtemps que ça, je le mets toujours au conditionnel. Pour autant, comme je l'ai dit par ailleurs, nous sommes les élus responsables et il y a l'étape du passage devant les conseils municipaux. Mais nous devons quand même nous préparer pour ne pas être devant le fait accompli au 1er janvier, si ça devait nous arriver quand même. Puisque, voilà, ça pourrait nous arriver. Si ça nous arrive, il faut tout de même qu'on soit prêt. Mais ça n'augure pas de la décision des conseils municipaux. Je l'ai dit à propos du SCOT, j'étais pas d'accord avec le SCOT une fois que j'ai participé. Donc là, pareil, on va participer, mais si on peut l'éviter, on l'évitera. Voilà.